Bienvenue dans le sud du Pérou, dans la région nord de Moquegua. Ici, il y a plus de 400 ans, un volcan ensevelit près de 30 villages. Une équipe de scientifiques venus du monde entier, collaborant au Pérou avec l'INGEMET et l'IGP, tente de retrouver les villages disparus. Imaginez un volcan émettant un volume de cendres et de ponces de plus de 10 km3. Ce volcan, c'est le Huayna-Putina. Son éruption est la plus grande des temps historiques de toute l'Amérique du Sud. Il faut savoir que cette éruption du 19 février 1600 est à l'origine d'un bouleversement climatique sur toute la planète, abaissant la température de plus de 1 degré. Les 16 et 17e siècles sont des périodes clés en Amérique du Sud, particulièrement ici dans le sud du Pérou, proche du Chili et de la Bolivie, dont Potosi est alors la capitale mondiale. Mais allons voir ce que font les scientifiques sur le terrain. Chercher des villages sépultés depuis 400 ans sous 2,5 mètres de retombées volcaniques nécessite un appareillage technologique particulier. Ici, vous pouvez voir des antennes radar tractées à la main. Déplacer les antennes radar doit se faire de manière rigoureuse, en quadrillant le terrain. En gros, ces échos, ils sont liés à un bâti qui contraste énormément avec l'encaissant. Donc ça nous donne des hyperboles de ce type avec des amplitudes extrêmement fortes. Cette approche par imagerie du sous-sol facilite les recherches des archéologues qui pourront alors choisir les secteurs de terrain plus susceptibles aux fouilles. Partout, nous retrouvons deux dépôts, l'un des retombées verticales de ponces et l'autre provenant du souffle latéral violent, aussi appelé flux pyroclastique, qui a littéralement détruit la partie supérieure des habitations. Les images données par les radars sont des hyperboles, ou sortes d'arcs de cercle, qui sont le reflet, l'écho des différents niveaux pénétrés dans le sol. En effet, un matériau dur et compact comme un mur donnera un arc de cercle plus marqué, soit un écho plus fort par rapport au sol volcanique poreux fait de cendres et de ponces. Cette méthode nous permet donc de visualiser la structure des villages ensevelis et même leur destruction par le souffle de l'éruption d'il y a 400 ans. Nos journées se succèdent, aidées par les communautés locales. Quelques familles contribuent également directement aux travaux et sont rémunérées. Un autre type de recherche se fait par imagerie thermique, le matin tôt, lorsque le sol est froid. Faut que je ferme l'appli et que, tu vois. Nous utilisons aussi une méthode magnétique, toujours sur des secteurs que nous quadrillons préalablement. Les drones nous font gagner du temps sur ces terrains très accidentés dans le choix des zones à étudier qui seront potentiellement des sites de fouilles. Ici, le village de Kinistakias qui nous a hébergés en 2015 et nous accueillera en 2016. Il y a une constante de réflecteurs dans les 3,75, 4 mètres et quelques. Après, il y a des plus profonds. Tu vois, il y a une transition là. Effectivement, on pourrait draper le truc avec le radar. Moi, j'ai jamais vu ça. Les résultats sont traités en partie sur le terrain et dans les labos des différents collaborateurs. Les vestiges observés sont remarquables et traduisent la diversité des civilisations qui se sont succédées dans cette région. Nous suscitons l'enthousiasme des habitants, intrigués par tant de siècles et de mémoires disparues. Nous nous associons à José Antonio Chavez pour ce qui sera la partie archéologie.
José Antonio Chávez est l'archéologue qui découvrit 18 momies au sommet des volcans sud-américains, dont la célèbre Juanita en 1995, au sommet de l'Ampato au Pérou. L'historien Roy Navajo nous apporte aussi son aide au travers de ses recherches aux archives de Séville en Espagne pour cette période de transition entre les peuples pré-Inca, Inca et les colons espagnols. Wairuru est un projet de grande envergure qui a pour but de faire connaître cet événement cataclysmique d'Amérique du Sud, de développer le tourisme dans la région de Moquegua en créant un musée de sites avec visites et de sensibiliser aussi les populations aux risques volcaniques. Nous intervenons également dans les classes d'école. Nous diffusons aussi l'avancement du projet par le biais de la radio et de la télévision. La route est longue, mais le chemin est spectaculaire. Merci de nous suivre dans cette aventure humaine extraordinaire.